ça va? Je suis choquée là. J'étais en train de traîner sur TikTok jusqu'à ce que je tombe sur un TikTok de Néo. Je crois que c'était à son anniversaire quand vous dansez sur la musique de Mercredi, là. Mercredi Adams, je sais plus trop quoi, la série Netflix qui a fait un carton là. T'as coupé tes cheveux? Genre, attends, j'ai regardé en deux fois, je me suis dit, attends, c'est elle? Attends, je crois que j'ai. Parce que ça se trouve, tu l'as dit dans ta story, mais moi, des fois sur Instagram, genre, je passe les stories comme ça, tu vois, de tout le monde. Je regarde jamais les stories Insta, enfin, très rarement. Mais t'as coupé tes cheveux? Mais attends, mais j'ai pas compris si tu les avais mis. Mais non, tu les as pas mis dans ton pull, je crois. Genre, vraiment, je crois que t'as vraiment coupé tes cheveux. Mais ça va trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo très particulière et vraiment spéciale pour moi. Vous le savez si vous me suivez depuis toujours, mes cheveux et moi, c'est une belle, longue et grande histoire. Parce que oui, depuis toujours, je ne les ai quasiment jamais touchés, jamais coupés, à part pour égaliser les pointes ou pour faire quelques vidéos. Ça te donne pas l'envie, toi, Mélana? Bah, je sais pas, enfin, je sais pas, peut-être que je vais regretter après, parce que tout le monde me dit d'aller faire de réponse, etc., et j'aime pas les regrets. On peut leur dire maintenant? Ouais, allez. Ok. C'était une blague! Bah, en même temps, fais-toi la petite. Tes cheveux sont trop beaux, longs comme non, ça. Non, mais j'avoue, avec une frange. Je sais pas, je pense que je vais regretter. Et puis, je pourrais plus avoir les cheveux longs comme j'ai maintenant. On peut pas retourner en arrière quand on fait cette action. Donc, je sais pas. Non, mais voilà, je réfléchis encore. Toucher. Pointe! Pour les pointes! On veut d'abord coiffer les cheveux, hein, pour coiffer quoi? T'as failli mettre le truc dans l'œil, mais. C'est pas grave. Okay, mieux vaut plutôt que me couper les cheveux, quoi. Oh, regarde. Oh non, oh non. Ethan, ah, tu les as pris tous. Mes cheveux quoi. Bon. Attends, je vais pleurer. Regardez, je suis en train de couper là. Ok, ouais. Moi, j'aurais vu un truc carrément audacieux, t'aurais coupé très court en carré comme ça. Oh non, moi, le carré, ce serait super moche sur moi, je pense. Hein. Impossible. Non, ouais, ça va, c'est bien. C'est bien, c'est frais. 30 cm là. J'ai eu peur, quoi. T'as eu peur. Je me suis dit, peut-être que la décision que j'ai prise, elle est pas. C'est pas la pas bonne. La meilleure. Au niveau de la taille, c'est vrai que j'ai jamais été aussi court depuis, peut-être. Depuis que t'es petite. Ouais, voilà. Ça va faire bizarre en brossant parce que j'avais l'habitude d'aller jusqu'en bas comme ça. Bon, la plupart du temps, je vous ai fait des pranks en vous faisant croire que j'allais me faire couper les cheveux et ça ne s'était jamais passé. Il y a une fois où je vous ai pas menti, j'ai vraiment coupé 30 cm de cheveux. C'était énorme, j'avais les cheveux jusque là. Et puis au final, bah, j'en ai coupé 30 cm, ça a un peu repoussé depuis. Mais là aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas un prank et ce sera même encore plus hardcore. Je vais vraiment les couper et pas qu'un peu. Mais je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pris cette décision, et vous avez raison, il y a bien un événement qui m'a fait me décider. Alors déjà, il y a le temps qui passe, je les ai toujours eu longs, et de temps en temps, dans un coin de ma tête, il y avait cette idée de peut-être un jour les couper. Mais récemment, avec mes sœurs, on s'amusait à regarder des vidéos de nous petites, et je me suis vue petite, les cheveux au carré. Je me suis dit que ça m'allait bien, et j'ai pensé... Qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? Alors qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai pris ma tablette, j'ai pris une photo de moi aujourd'hui et j'ai coupé mes cheveux virtuellement. J'ai fait une simulation quoi. Moi, je trouve que ça me va bien. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire si tu penses pareil. Alors aujourd'hui, je crois que je suis prête. Je vous en dis pas plus sur ce que j'ai envie de faire. Vous allez le découvrir directement au salon de coiffure. D'ailleurs, c'est marrant, je sais pas si c'est une coïncidence. Bah si, c'est une coïncidence. Aujourd'hui, il y a Valentine, notre amie, qui nous envoie un message pour nous dire qu'elle a les cheveux longs. Voilà, c'est vous dire à quel point mes cheveux longs font partie de mon histoire. D'ailleurs, vous êtes nombreux depuis toujours à m'envoyer des messages sur mes cheveux, soit me dire « Oh, tes cheveux, ils sont trop beaux, les coupe jamais !» et d'autres qui disaient « Pourquoi tu les coupes pas? Un carré, ça t'irait bien !» Et ben à l'époque, c'était parce que mon idole, c'était Réponse. Voilà, j'adorais le Disney Réponse et je rêvais d'avoir ses cheveux. Aujourd'hui, bah, je me dis que peut-être... les cheveux courts sur moi, ce serait mieux. Du coup, je pense que là, il y a certains d'entre vous qui sont en stress et qui se disent non, fais pas ça. Même si moi aussi, ça me stresse un petit peu parce que je les ai jamais coupés plus que les pointes, et ben je crois que je suis quand même bien décidée. Bon, je vous emmène avec moi et restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que il y aura aussi les réactions de mes proches qui ne savent rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je chuchote, il y a Elina juste à côté. Bon, allez, le moment est arrivé, on y va, let's go. Il y a un truc qui est énervant, c'est que je sais qu'à chaque fois que je coupe mes cheveux, les pointes bouclent. Je préfère les cheveux lissés avec la coupe que j'ai choisie. Ah ouais, sympa. D'accord, donc tu veux quand même que ça touche les épaules en fait, hein? Oui, finalement. Ouais. Ok, on va peut-être pré-couper. D'accord. Mettre ma manche. Wow. Et je me sens déjà très légère. Attends, c'est comment? Ah oui. C'est que le début. Et ça fait très longtemps que j'ai pas coupé aussi court. Le début, ouais. Bon, tu me la donnes? Oh, c'est trop stylé. C'est fou. Pas de regrets, ma fille? Non, pas encore. Oh, ça fait trop bizarre. Juste quand je tourne la tête, c'est trop bizarre. Alors? Ouais. Tu regrettes pas? En fait, je suis encore en déréalisation. Oh purée! Je suis un peu en mode ouais, ok, je l'ai fait. En fait, j'étais pas en mode choquée quand elle m'a coupé les cheveux et tout, j'étais en mode ok, normal. Et donc peut-être que c'est plus tard que je vais réaliser, mais pour le moment, voilà, ça te va bien. En tout cas, j'adore toucher mes cheveux comme ça, c'est une autre manière de d'aborder la chose. Ça te va trop bien. Bon, ouais. Maintenant, il faut qu'on montre ça à tes sœurs. Ouais, c'est la nouvelle Levana, les gars. Elina, t'es où? Dans la chambre de Levana. Regarde. Elle a les cheveux plus courts que toi pour la première fois de son existence. C'est la fille qui a les cheveux le plus court de la famille. T'as vu, t'as les yeux mouillés? Oui, toi aussi j'ai l'impression.
Alors, ça lui va mais bien? Mais attends, mais la coupe, elle est sur le côté, là? Bon, là, c'est, oh, un petit... ouais. Là, c'est un petit mélange, mais on le met comme on veut. Ah, ça, c'est beau comme ça, ouais. Sur le côté, au milieu, tout est possible. Ça fait... Ouh, ça fait bizarre, hein. Au début, je pensais que maman, elle m'appelait pour faire un lave-vaisselle. Du coup, là, je suis plutôt... oui, on a entendu ça. Ouais. Ouvre le... Oh, elle est belle. Putain, je m'avais fait peur. T'es trop belle. Ah. Ça fait combien de temps que tu t'es pas coupé les cheveux? C'est aussi court, ça doit faire bien 12 ans. C'est surtout qu'elle a toujours eu les cheveux longs. Ouais, les cheveux longs. Ouais. Donc, ça va bien, là. Ça va bien. Elle est fraîche. T'es prête à voir la surprise? Ouais. Let's go. Un nouvel album, tu... Ah, c'est bien. T'as vu? C'est trop bien, j'aurais même coupé encore plus. T'as vu qui c'est? C'est mes patins. Coucou. T'as été chez le coiffeur? Ouais, c'est ça, parce que je l'aurais jamais fait faire à Karine, hein. Ouais, bah vaut mieux pas, hein. Non, ouais. Pas, moi, moi, je recouperai encore, allez, 15 cm. Bon, peut-être plus tard, hein. Faut pas trop m'en demander non plus. Moi, j'ai cru qu'il y en avait une qui était enceinte, enfin, pas de tes filles, hein. Non, non, pas encore. Vous êtes prêts? Ouais. Oh, non. Si, si. Ah, ça te va super bien. Merci, mamie. Ah non, on dirait une vraie jeune fille, pas petite fille. Pas mal. Ça change tout. Par contre, tu peux voir les bananes, s'il te plaît. Attends deux secondes, je vais la chercher. Comment tu la trouves? Je sais pas comment dire. Oh, il trouve vraiment bien. Je vais laisser pousser mes cheveux pour faire la même. C'est trop belle, ma chérie. Merci. Bonjour. Ah, ça y est. Ça y est quoi? Le moment. Le moment qu'on a tous attendu. Oui. C'est trop beau. Merci. Ça change, hein. De ouf, t'as vu? Ça fait trop bizarre. On dirait Karine. J'aime trop. Bon, bah la prochaine fois que tu me vois, ce sera donc comme ça, samedi. Tu es prête pour voir quelque chose? Non. J'ai un peu peur, mais vas-y. C'est rien, hein, t'inquiète. T'as coupé tes cheveux. Ah, j'adore. T'as vu? Oh, la tête. C'est carré. Non, mais attends, j'aimerais ne pas me faire écraser. Ça va, c'est bien, franchement. Ouais, t'as vu? Bah ouais. Mais moi, je m'attendais à un truc de fou, genre... on s'appelle jamais en visio, donc j'étais là en mode... Qu'est-ce qui se passe? Pareil, tout à l'heure, attends, qui c'est qui a dit ça? Oui, c'est Tata. Elle a dit, ouais, je croyais qu'il y en avait une qui était enceinte. Non, moi, j'allais pas jusqu'à là, hein, parce que... parce que c'est Lina qui a le plus de chance et elle a 13 ans, donc non. Genre, Tata qui va dire qu'elle se tiendra à son régime cette fois-ci. Oh, oh la punchline! Non, non, ça, c'est pas possible, par contre. Ça, c'est dans un autre monde, ça. La violence de propos. Merci beaucoup, hein, les filles. Ouais, bah t'inquiète, on est toujours là pour te soutenir. Hein. J'ai quelque chose à te montrer. Moi aussi, j'ai quelque chose à te montrer. T'as vu ma... Oh, t'as un projecteur. Oh, mais c'est trop stylé. Et ça me fait une télé x10, quoi. Moi, j'ai quelque chose de très différent à te montrer. Tu es prêt? C'est ça. Un tatouage. Non. Vas-y. Tatoué. Le temps de réaction. Je crois qu'il a pas compris. Ah, mais... Ah oui. C'est un carré long. Ouah, génial. Et... Ouais, le temps de réaction. Ah ouais, mais moi, je pensais que t'allais me faire avoir une image ou un truc comme ça. Non, non, non. Le temps de réflexion, ça me tue. On dirait Karine ado. Ah, bah, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on le dit, ouais. Et moi, je vais faire une surprise. Attendez, regardez. Et bah, y a rien de changé. Ça va? Ça va. T'as un bébé ou quoi? Non, c'est pas un bébé, c'est sûr. C'est pas un bébé. Ta mère, elle va te faire un petit frère, non? Non, faut pas s'attendre à des trucs aussi gros. Elle est perdue à la gare du Nord. Ah, merde. Et tu vas lui faire croire que maman t'a laissé et que tu es perdue sur la gare du Nord. D'accord. Ne pleure pas, Levana. T'es où, chérie, à la gare? Vas-y. Waouh. Mais t'es belle. Merci. Ça te va trop bien. Ça va, ça te fait pas bizarre? Bah si, mais comme j'ai coupé là juste tout à l'heure, en vrai, bah...
Je m'habitue progressivement. Mais ça te va faire du bien. Ouais, de fou, mais c'était moi, tout de suite plus léger. Je vais me faire la même coupe, tiens, regarde. Ouais. Comme dit les Arabes, Sartek. Eliane, regarde la coupe de Levana. Regarde. Elle est belle ou... Regarde la coupe de Levanouche. Elle est chaude. C'est très simple. Ouais, ok. Mais t'es peut-être pas calme. Ok, le chou court. Ouais. Mais dis-toi que là, j'ai coupé 30 cm. Ah, ça doit être beaucoup, ouais, mais... Bon, par contre... D'accord, ok. Bon, bah ça fait vraiment bizarre toute la journée. J'ai pas arrêté de me toucher les cheveux, de me regarder dans le miroir. Vraiment, je faisais des trucs débiles comme ça, par exemple. Voilà. Et j'ai l'impression, genre, d'être plus tonique. C'est très bizarre de dire ça, mais je pense que la coupe, ça me change l'humeur. Juste quand je tourne les cheveux comme ça, tu vois, c'est... On se sent libre et je sais pas comment expliquer. C'est très bizarre. Bon, Levana, on a un cadeau pour toi. Parce que qui dit nouvelle coupe courte comme ça, en plus tu t'inquiétais un peu que tes cheveux frisent en les coupant. Ça va, hein, c'est ce que tu nous disais dans la voiture. Ça s'est bien passé. Visiblement ça se passe bien, mais quand même, on a quand même quelque chose pour toi. Elina, tu offres à Levana. Il est trop beau, c'est un petit format presque de poche en fait. C'est trop chou. C'est à mettre dans le sac et c'est un sans fil. Non, ça existe. Bah, oui. Rechargeable. Comme un téléphone. C'est trop stylé. En plus, il est trop beau. Mais je crois que je l'ai vu en plus sur Instagram et tout. Des gens qui... Bon, il y en a plein. Il y a plein de marques. Ça, c'est pas vraiment une marque. Je l'ai acheté. Il y avait plusieurs choix et je suis partie sur celui-là. Stylé. Par contre, il va falloir que j'apprenne à m'en servir parce que je me lisse jamais les cheveux. Là, apparemment, il est en train de chauffer. Bon, bah voilà. Pour quelques mois, peut-être même des années, vous allez me voir avec cette tête-là. Peut-être même que je vais porter plus souvent mes lunettes parce que tout simplement, j'en ai besoin et j'ai envie. Ça me donne un style en plus. Là, je vous vois pas là, tu vois, c'est compliqué. Du coup, voilà. Il faut s'habituer à cette nouvelle tête maintenant. J'espère que vous l'aimez. C'est la pire fin. En tout cas voilà, ça m'a fait très bizarre et à la fois très plaisir de vous montrer toute cette aventure de coupe de cheveux et on se retrouve très bientôt avec cette tête. Salut !